Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment protéger ta réputation comme la prunelle de tes yeux. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses. Brièvement, qui je suis, qui est Robert Greene, l'auteur de cette loi ou phrase protéger votre réputation comme la prunelle de vos yeux, et on découvrira dans le contenu qu'est-ce qu'implique cette loi. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'indiquerai comment tu peux télécharger gratuitement la vidéo privée Les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogier Dollé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus inspirantes. Robert Greene est né à Los Angeles le 14 mai 1959. Si tu es devant cette vidéo, c'est que soit tu connais Robert Greene, soit que tu ne le connais pas, mais que tu es intéressé par connaître cette loi. Ce qu'il est important de savoir avant de découvrir la loi, c'est que Robert Greene a étudié 3000 ans d'histoire et de littérature mondiale pour écrire des livres sur le pouvoir, la séduction et les stratégies de guerre. Et la loi de laquelle nous allons parler aujourd'hui vient du livre Les 48 lois du pouvoir qui s'est vendu à plus de 1,2 million d'exemplaires dans le monde. Je te mettrai d'ailleurs un lien de ce livre si tu veux aller le découvrir pour aller plus loin que cette simple vidéo. On va maintenant voir cette loi et cette règle qu'a écrit Robert Greene, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Protéger votre réputation comme la prunelle de vos yeux. La réputation est l'une des pierres angulaires du pouvoir que l'on peut avoir dans un environnement dans lequel nous nous trouvons. À elle seule, la réputation peut te permettre d'impressionner et de gagner, mais si elle est compromise, tu deviens vulnérable et l'on s'attaquera à toi de toutes parts. Donc il faut toujours faire en sorte que ta réputation soit impeccable, d'être vigilant, de déjouer les attaques avant qu'elles ne se produisent et en même temps d'apprendre à détruire ses ennemis par leur réputation en ouvrant des brèches, puis en se taisant et laissant faire les autres. Tu l'as certainement remarqué, se construire une réputation nécessite du travail et de la promouvance, de promouvoir sa propre réputation pour que notre réputation nous précède ou alors nous suive par rapport à notre passage dans les environnements que nous fréquentons. En revanche, parfois, il y a des personnes qui vont nous considérer comme des rivaux ou des leaders dans les environnements dans lesquels nous allons nous trouver et qui vont chercher à vouloir, eh bien, détruire notre réputation pour faire de nous quelqu'un de normal, d'humain, on va dire, et réduire finalement notre autorité, notre expertise ou notre personnalité à quelqu'un de banal. Cependant, si tu prends conscience de cette étape-là et que tu apprends justement, eh bien, à avoir cette conscience qu'il faut que ta réputation soit toujours justifiée, que tes prises de communication soient intelligentes et que ta prise de conscience de ton environnement dans lequel tu te trouves soit toujours bien gérée de façon à ce que les personnes autour de toi ne puissent pas en avoir à te créer de négativité ou en tout cas t'en valoir du mal. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo. Avant de passer à la dernière diapositive, j'aimerais te poser cette question. Que retiens-tu de cette vidéo? Ta réponse dans les commentaires me permettra deux choses. La première, pour toi, de mémoriser davantage ce que tu as retenu de la vidéo et pour moi, d'envisager et de discuter avec toi en fonction de ce que tu répondras dans ces barres de commentaires. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à mettre la vidéo dans tes playlists, tes vidéos préférées, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Et comme je te l'ai promis en démarrage de la vidéo, tu peux télécharger dès maintenant les 7 secrets pour progresser dans ta vie. Tu trouveras un lien dans la description pour pouvoir récupérer cette vidéo spécialement conçue pour toi. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.